Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour ce petit unboxing du jour. Et ce unboxing du jour a un petit goût particulier puisque c'était mon cadeau de Noël. Oui, parce qu'il fallait bien que je m'offre un... Alors oui, j'ai eu un chat. Le ciel m'a envoyé un chat à sauver. Je l'ai sauvé et c'est devenu mon chat. Bon, après, ça aurait été bien. Mais c'était pas, c'était pas prévu. Ça devait pas être ça. Donc ça, c'est mon cadeau de Noël, ça c'est sûr, puisque c'est moi qui l'ai commandé avec mon argent. Normalement, la review tombera de ça au mois de janvier. Normalement, il y a un placement de produit. C'est un peu en gros, bon, c'est le placement de produit. Il m'a dit, on fait un placement de produit. Et avec l'argent, je me suis dit, dans qu'à faire, je pourrais m'acheter un truc. Ça fera mon cadeau de Noël et ça fera une review qui sera sympathique parce que c'est un produit que je voulais à fond les ballons, que je n'ai pas réussi à me faire offrir. Donc je me suis dit, si j'arrive pas à me le faire offrir, bon, je me le fais un peu offrir, on est d'accord. Mais en placement de produit, mais bon, pour vous, ça change rien au dossier. On est d'accord. Pour vous, ça reste un déballage comme ça. Moi, ça me fait un petit cadeau de Noël avec un produit que je voulais de ouf. Et en plus, bah voilà, le sponsor, je lui ai dit, voilà, on veut faire une pré-roll, machin. Je dis, voilà, on a ça. En hein, review, non, hein, ça va bien marcher. J'ai dit, ah, ça va marcher de ouf. Enfin, j'espère. Alors attends, oui, première fois sur le chat et je t'ai abonné Prime. Oh, merci beaucoup. Donc tu fais partie des 12 abonnés Prime. Je rappelle, cette émission est diffusée sur Twitch tous les jours. Enfin, tous les jours, je fais un déballage à 10h sur Twitch, par exemple. Et là, on fait l'enregistrement et je la mets sur YouTube demain. Donc jeudi sur YouTube et la veille sur Twitch, si vous voulez passer par là. Je vous rappelle, vous pouvez me follower gratuitement. Vous pouvez regarder la vidéo gratuitement sur Twitch. Vous pouvez me follower gratuitement sur Twitch. Et vous pouvez même vous abonner pour voir des petits logos, des petits emojis. Et oui, et Yannick, il a bien un petit pangeek en logo. Voilà, en vignette, je crois. Comment ça s'appelle? Enfin bon, en gros, vous avez maintenant... Il est super simple. Bon, alors... Une bouteille de parfum. Bah non, pas de Chine de Shenzhen. D'accord. Ok. Rien du tout. Rien du tout. Alors ça devait être un truc. C'est des petits sacs gonflables. Mais bon, il n'y a pas. Heureusement que je lui ai dit de m'envoyer des petits cadeaux à mes mères. Hein, parce que sinon, elle m'aurait rien envoyé. Voilà. Donc c'est bien une D819-626. Voilà, pour ceux qui se demandent. Ah, tu sais pas ce que c'est, hein? Ah, je sais. Il y a que moi qui sais. Il y a que moi qui sais et moi je kiffe. Voilà. Bah, vous devez savoir. C'est quoi ma nouvelle tendance du moment? Ah, c'est quoi que j'aime? À part les robots aspirateurs. Bon, attention. Attention, faites de la place. Parce que ça peut sauter. Non, je déconne. Il ne va rien se passer. Tada! Voilà. Bon, bah, ça c'était nul en fait. Il y avait juste la référence. Bon, tu le vois là ou pas? Sigul, bien sûr, bien évidemment. C'est ma première, hein. Je suis désolé. Après, vous allez voir, c'est pas une montre qui est excessivement chère. Hein. Oui, c'est une montre, oui. Bon, j'ai gâché un peu le suspense. C'est pas une montre qui est excessivement chère, mais c'est ma première Sigul. On devait, pendant un moment, en avoir avec AliExpress. AliExpress France, influenceur, on vous met en contact avec la marque, on vous envoie des trucs, ferait des reviews, machin, machin, machin. À la fin, rien du tout. À la fin, niette de chez Capote. Voilà. Donc je me suis dit, vous faites chier. En plus, il fallait prendre que des pas chers et tout. Donc, je me suis dit, il faut absolument que je trouve une solution. Et l'intérêt de faire un placement de produit, c'est que c'est un pré-roll, mais il faut bien qu'il y ait un produit. Et les gens, en fait, on peut pas prendre. Comme maintenant, je prends que des produits où les gens me payent, je peux pas. Les gens me payent et mettent un pré-roll au début, vidéo sponsorisée. Donc, t'es obligé de mettre un produit, bah, soit gratuit, soit comme ça. Donc, là, voilà. C'est une Sigul. Sigul, je vous rappelle, grosse marque de montre chinoise. Une des premières marques à faire des mécanismes chinois. Ici. Alors, attends, elle est où, ma Sigul? Tac. Là. Je le ferai voir tout à l'heure. Voilà. Donc, c'est une Sigul, une des premières marques à faire des mécanismes de montre. Première histoire de la marque, première montre en 1955. Ils ont commencé. Alors, oui, au début, ils pompaient un peu les Chinois. Enfin, non, pas comme ça. Oui, au début, ils copiaient un peu, ils plagiaient un peu les Chinois. Donc, non, ils plagiaient un peu les Suisses. Voilà. Au début, les Chinois plagiaient un peu les Suisses en prenant les mécanismes et tout. Et après, ils ont fait évoluer les mécanismes et ils ont appris un peu de tout. Et ils ont fait leur propre mécanisme. Qui sont aujourd'hui très très réputés, même dans le monde de la montre, avec des montres automatiques qui n'ont rien à envier à des marques suisses beaucoup plus chères.
Et l'intérêt, c'est que la main-d'œuvre chinoise est quand même... Même la main-d'œuvre qualifiée chinoise est bien moins chère que la main-d'œuvre qualifiée suisse. Donc voilà, cette Sigul, c'est une... Alors attends, je vais vous mettre le... Je vais vous mettre la vignette vidéo. Attends, je mets ça. Tac, voilà. Donc, c'est une Sigul 20. Ouf, elle a un nom compliqué. Hein, 219, voilà. Donc là, il met 1955, première montre. Chine auto-conçue, blablabla. Donc, la montre, résistante à l'eau, ok. Type de fermoir, boucle, nanana, voilà. Donc, l'intérêt, c'est que celle-là, c'est une. Alors, on verra ça tout à l'heure. Je vais enlever le. Non, il n'y a pas de. Ah non, c'est la trotteuse. Voilà. Donc, il y a réserve de marche, ici, là. Vous voyez, sur le côté, réserve de marche sur la gauche, ici, ah non, réserve de marche sur la droite, ici, là, on a la date à droite, donc de 1 à 31 jours, un petit, le mouvement transparent ici, qui fait plutôt plaisir, hein, alors après, je suis pas, c'est pas du tourbillon, on est d'accord, hein, pas cette gamme de prix-là, mais on a quand même une montre avec heure, minute, seconde, date, et réserve de marche, ce qui est un peu, alors ce qui est pas très très courant, hein. La réserve de marche n'est pas sur toutes les montres, moi je l'ai sur ma Chopard, mais c'était quand j'étais riche, et c'est une Chopard. Prix d'entrée, voilà, c'est pas 200 balles, d'accord, mais là on a quand même une montre 42 mm, donc de 13, ok, donc là c'est la Sigul, ok, 2, 3, donc là, un truc, ok, est-ce qu'elle est à l'heure? Non, elle est pas à l'heure, mais enfin c'est pas grave. La réserve de marche, je vais peut-être la... Putain, elle est ouf. Hein. Je vais peut-être la remonter manuellement, fais voir. Ah oui, oui, bah, attends, on peut la remonter manuellement. Donc le mécanisme et tout, à l'arrière et tout, donc c'est un ST2505. Pour ceux qui connaissent, dans les mécanismes, c'est pas le plus le plus ouf, hein, encore une fois, de chez Sigul. Hein. C'est pas le moins cher non plus, hein, encore une fois, ils ont moins bien que ça, parce que là, il y a l'intérêt, c'est qu'il y a la réserve de marche dessus. Donc on a quand même un mouvement automatique très très bonne qualité, d'origine Sigul. La montre, c'est une Sigul, il n'y a aucun suspense. Et le prix, 214 €. Alors, pour ceux qui regarderont ça sur YouTube et même sur Twitch en replay, je vous mettrai le lien dans la description, si c'est le genre de montre qui vous intéresse. 215 €, alors ça, vont me dire, ouais, mais 215 €, c'est une montre chinoise, tu vois, moi, les Chinois, j'ai pas confiance. Bon, là, on est quand même sur un beau bébé, hein, y a pas... Attends, je vais mettre ici. J'ai du mal avec la l'envers, là. Voilà. Elle est très, très, très jolie. Ici, je sais pas si je vais arriver à... avoir autofocus, c'est dur avec la lentille avec celle-là là. Oh putain, mais en plus c'est tout inversé, c'est nul. Ok, voilà. Alors la réserve de marche normalement elle est là ici, donc si je remonte la montre, 1 2 3 4, voyez, on voit bien l'aiguille qui monte, 5 6 7 8 9 10. Ok, on l'a 10 et on a remonté très très peu. La date, bon, bah, je verrai ça tout à l'heure. Là, elle est sur le 31. Heure, minute, seconde et tout. Elle est très 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 jolie. Elle est très très sobre, encore une fois. Bracelet cuir, pas mal. Est-ce qu'il y aurait un petit verre en... Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit verre en saphir? Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit verre je pense, oui, quand même, au moins pour cette gamme de prix-là, tu vois. Alors, c'est un détecteur de saphir, ça. Ça vaut rien du tout, ça vaut 20 balles. Mais ça permet... j'ai l'impression que même pas. Ah si, quand même. Autant que ça chauffe, voir celle-là. Celle-là, on a fait le test tout à l'heure. Il faut le temps que ça se calibre. Là, il est encore... Hein. Faut le temps que ça chauffe. Là, il est rouge. Voilà, faut attendre que les deux soient rouges. Voilà, ça y est. Là, c'est bon. Là, on est trop. Là, hop, là, on en est pas mal. Alors, je fais avec celle-là pour essayer. Ok, allez, vas-y. Faut vraiment le temps que ça chauffe. Hein. Hein, encore une fois. Ok, donc là c'est bon, ok, et là, donc si on prend là, ok, voilà, elle est bien, et encore, vous avez vu, je l'ai mis en méga sensibilité, donc petit verre saphir, mécanisme, encore une fois, Sigul original 2505, elle est très très jolie, encore une fois, c'est vraiment heure, minute, seconde, la date, et la réserve de marche ici, et le petit truc, le mécanisme transparent ici, qui est plutôt sympathique. Je sais que même chez Seiko, hein, les mécanismes Seiko, où on peut voir
Le mécanisme et tout, c'est pas les moins chers. On est vraiment dans ces prix-là en plus, hein, pour de vrai. Après, encore une fois, c'est pas un tourbillon, hein, on est d'accord, pour ce prix-là, faut pas déconner. Mais on voit le. Pas mal là. Là, tu vois bien. Oui, je suis désolé parce que la caméra est inversée. Hein. C'est une webcam. Ok. Pas mal, pas mal. Très très sobre, très 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 joli. Voilà. Donc c'est un peu mon cadeau d'anniversaire. Mon cadeau de Noël. Oui, mais mon cadeau d'anniversaire aussi. J'ai rien eu pour mon anniversaire. Voilà. En plus du chat. Donc la vidéo, bon bah, pour l'instant la montre, elle est à moi. Ça c'est déjà sûr. Je regarderai comment on régler la date, mais ça doit pas être très très compliqué. En théorie, je devrais y arriver. Il n'y a pas de. Oui, il n'y a qu'une couronne en fait là. Il n'y a qu'une couronne ici. Voilà, elle n'est pas vissée. Si on tire un peu dessus. On règle l'heure, la date, et si on tire deux fois, non, il n'y a rien de... Tu vois ? Ok, là, non. Et si on tire dessus, on peut juste régler l'heure et la date. D'accord. Est-ce qu'il va falloir faire tout à la main, là, 31 jours ? Il doit y avoir un truc. Il doit y avoir un truc. Bon, on regardera, on est obligé de lire le manuel. Oh, j'espère qu'il n'y a pas que du chinois dedans. Nanana. Non, il y a de l'anglais. Hey ! Il y a de l'anglais ! John. John l'anglais. On appelle ça. Voilà. Donc voilà pour ce petit déballage. Moi, je trouve cette montre magnifique. Elle est très, très sobre, très, très classe. 214 €. C'est cher, pas cher, en fait. C'est cher si tu connais pas les montres et que tu dis, ouais, mais c'est une montre chinoise, nanana. Après, pour ceux qui connaissent la marque Sigul, sauront que c'est un très, très bon investissement puisque c'est des montres de qualité. Qui sont très très réputés avec un bon mécanisme, c'est réparable, tu peux avoir de l'entretien et tout dessus, et ça reste un très très joli produit. Voilà. Donc, à vous de me dire en commentaire. Alors, ceux qui sont sur YouTube, vous pouvez mettre un commentaire et on régira là. Et ceux qui sont sur Twitch, eh ben, on arrête l'enregistrement YouTube et je vous répondrai là. C'est-à-dire que si ceux de YouTube vous disent, attends, on est en train de louper quelque chose là. Oui, le chat, c'est après sur Twitch. Donc, je vous mettrai le lien dans la description et vous trouverez cette vidéo. Le lien Twitch, vous pouvez le regarder, même si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez regarder directement et après partir comme un mal autru ou directement me follower sur Twitch. Par exemple, si vous, toi aussi, tu veux regarder les lives. Voilà, c'est tout pour cet enregistrement YouTube. Je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. N'oubliez pas de me dire en commentaire ce que vous pensez de cette montre. Si toi aussi, tu trouves que cette montre, elle est trop, trop belle, que tu es trop jaloux, que c'est trop bien, et que tu te languis de la voir en review, par exemple, je pense, normalement, c'est janvier. Parce que la sponsor, c'est janvier, parce que la meuf, elle se décide, machin et tout. Enfin, bon, ils sont pas trop pressés, on verra. Je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. N'oubliez pas de mettre votre plus beau pouce en l'air, votre meilleur commentaire, et éventuellement, un petit abonnement, c'est gratos. Moi, forcément, je vous kiffe, je vous souhaite à tous une bonne journée, et maintenant, je vais répondre aux commentaires Twitch. Allez, forcément, je vous kiffe, bonne journée à tous, à demain, bye bye.